Bien, on va commencer par le premier défi, ravitaillement tour à incendie. Maintenant que les gens reviennent visiter la région, l'ancienne tour de guet des pompiers sera de nouveau utilisée. Nous devons les réapprovisionner avant l'arrivée du personnel. Vous pouvez vous en occuper. Donc 3 minutes 20 pour l'or, 3 300 balles. Donc faut que je me ramène un scout. Bon, je pourrais y traîner avec un camion, mais je vois pas l'intérêt. Donc je vais me ramener un scout et puis il y aura juste ça à faire. J'ai très peur parce que je vais tenter avec un scout et je sens que ça va mal se passer, mais on va essayer, hein. On va essayer, c'est-à-dire une TUS 166, oui. Bon, de toute façon, vous l'avez vu sur la miniature, il n'y a pas de surprise. Donc on va essayer. Et puis les deux autres, je vais essayer de les enchaîner bien comme il faut avec le... avec la ZOV Atom. J'aurais bien voulu changer éventuellement, mais il a une 3 places, il a une grue, il a tout ce qu'il faut, il est déjà sur place. Ça devrait être bien. J'espère que lui va réussir à tirer la remorque de carburant comme il faut. Je sais pas du tout, je l'ai pas vraiment testé. Je l'ai fait une fois pour une remorque, sur cette carte, je crois, sur carrière. Ou non, sur cette carte, je crois. Ça fait très longtemps que je l'ai pas testé, celui-là, je l'ai quasiment pas conduit, de toute façon, depuis que j'ai SnowRunner. Il a un petit style que j'aime bien, mais il est léger. J'aimerais bien le revoir dans l'expédition. J'aimerais bien le revoir avec quelque chose de plus stable, que le poids soit moins what the fuck, que la voiture arrête de partir dans tous les sens et de s'exploser dans absolument tout ce qu'il trouve alors qu'il n'y a rien. J'aimerais bien le revoir. Franchement, je trouve qu'il il mérite mieux. Il mérite mieux ce petit scout. Il mérite mieux de... Vraiment, c'est un des scouts que j'aimerais bien revoir peut-être dans Expédition parce que je trouve en plus qu'il a un style un peu Expédition, un petit peu safari et tout. Donc ça pourrait être cool de le revoir. Ouf! Ouais, c'était juste. Il s'est explosé dans une pierre qui l'a propulsé sur la droite. Doucement. Évidemment, je vais me faire défoncer le véhicule tout le long. Heureusement, je vais prendre la remorque à la zone de réparation, donc je pourrai réparer. Ah, oh, excusez-moi. Bon, je vous laisse tout le trajet parce que je fais... comme une espèce de let's play complet, même si je découpe par mission, voilà, je vous montre comment j'ai fait mon cheminement. Là, je vais prendre un véhicule que j'ai pas utilisé et qui va me permettre d'explorer après Zimnegorsk. C'est lui qui est sur la photo, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser, hein. Donc, on est parti pour celui-ci. Honnêtement, dans les scouts, il n'y a rien qui m'a trop botté. Je sais pas, j'ai l'impression de d'être saoulé des scouts, qu'il n'y en a pas un qui me dit ah ouais, celui-là trop bien. Je sais pas. Pour faire les missions scouts, les remorques scouts, tout ça, il n'y en a pas un, je trouve, qui sort vraiment son épingle du jeu, à part pour dire ouais, celui-là le Bourlac, le Loadstar, bah tu le prends, t'es sûr d'y arriver quoi. Waouh, c'est profond quand même. Ah, je crois qu'elle a pas le snorkel haut, mais il n'y en aura pas besoin. Je pense pas. 15 litres, elle consomme pas de dingue, j'ai l'impression. Prends pas trop de vitesse, je suis très inquiet. Essayer d'aller jusqu'au bout pour chercher de l'essence. J'ai de l'essence sur le toit. Ah, j'ai 40 litres. Oh, c'est pas énorme. En même temps, j'ai réservoir de 60.
Yes. Bien, ça c'est fait. Maintenant, allez jusqu'au centre d'entretien. Centre de répa. Elle trace, hein. Ah, la vache. Bon, j'ai mis le meilleur moteur là pour être sûr de pouvoir tracter la remorque. D'ailleurs, il faudra que je fasse le plein de la remorque. Aïe! Parce que j'ai tapé quand même pas mal dedans l'autre fois. Je voudrais pas que ça pose problème. Je sais pas si elle sera plus lourde en fonction de ce qu'il y a dedans. J'ai jamais su ça. Si le poids dépend de ce qu'il y a dedans, je crois pas. Les remorques de camion seraient beaucoup plus lourdes sinon. Fait la moitié. Ou par contre sur les rondins de bois, elle va peut-être pas trop aimer. Hein. Bon, elle a l'air de rouler quand même. Hein. On devrait peut-être le faire. Tracter la remorque à carburant en plus elle-même. Ça va être chaud, mais elle devrait y aller. 3 minutes 20. Ça va être chaud. Hein. Surtout, je crois qu'il faut atteler la remorque après. Alors, ce que je sais pas, c'est si les deux autres défis, faut être chargé ou chargé après. Avoir lancé le défi. Ce qui peut être problématique, j'étais en train de me dire, en difficile, on a un nombre d'essais limité. Et si on lance la mission pour voir s'il y a besoin d'être chargé pour la recommencer, ben on a perdu un essai, donc c'est très mal expliqué ça je trouve. Parce que le temps de charger des fois peut vite faire perdre du temps, surtout si il faut charger à la grue. Wow. Aïe, ouais, 23 dans le moteur, d'accord, je sais pas comment t'as réussi cet exploit mais... Elle a du peps, hein. Ralentis parce que tu vas te cracher. Elle a quand même du peps, hein. Et ben voilà, on est arrivé. Pas de quoi s'inquiéter. Par contre, il y a une benzole de flotte. Si je peux essayer de l'éviter, il faudra peut-être que je l'évite. Hein. Ça peut vite faire gagner 30 secondes et une minute. Bon, heureusement, c'est pas trop loin. S'il faut refaire un essai, ça va être faisable. Allez, Oculus réparo là parce que elle a pris cher. Merci. C'est marrant, elle répare mais elle. J'aurais dû prendre la remorque aussi. Elle répare mais elle efface pas les salissures, c'est pas mal ça. Ça permet d'éviter d'avoir un truc un peu trop what the fuck, quoique c'est déjà what the fuck. Bon, on va te faire le plein. Alors je sais pas s'il y a besoin d'être attelé. En tout cas, je voudrais faire le plein pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug. Ça se trouve, ça va la relancer de toute façon. Est-ce qu'il y a besoin de... Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, donc... hop. Donc, c'est épave. Annuler défi. Alors, il faut que j'aille là-haut. Il faut que j'aille là-haut, c'est ici, hein, épave. Ah non, c'est pas épave, justement. Il y avait épave de lancer, mais c'est... ravitaillement tour incendie. Donc là-haut. Donc je sais qu'il y a un passage qui coupe, je crois, par là. Ouais, ça va pas m'aider beaucoup. Parce que je suis pas exactement sûr de où est-ce qu'il faut passer. Ça risque d'être plus à l'instinct. Se trouve, il y a des chemins là. Je connais plus trop, mais je sais qu'il y en avait un. Je crois qu'il contourne par là. Et il faut aller là ensuite. Ça doit être par ici. Bon, on va boire. J'ai pas lu le texte, d'accord. Ah bah si, je l'ai lu. Si, je l'ai lu.
que l'élu. Et bah c'est parti. On va se mettre bien comme il faut. Se prendre légèrement de l'élan comme d'habitude. C'est toujours une seconde ou deux de gagner. Hop. Ah bah cale pas au bout de 3 minutes, 3 dixièmes de seconde quand même. Allez c'est parti. On va peut-être essayer de passer à travers les arbres. Oh là là, elle est lourde. Elle est lourde parce que j'avance plus là. Allez, on passe à travers les arbres. Branche en adamantium, non merci. Oh la vache, je galère, je galère. Elle est lourde. Elle est lourde. Oh bordel, et je lui ai pas fait le plein. Donc du coup, ça a pas l'air de les gêner. Oh la vache, puis alors dès qu'il y a un peu de boue, je m'embourbe dedans. Oh la vache. Combien? 3 minutes 20 je crois. J'ai déjà presque une minute de bouffée. Bon, on est quasiment arrivé, mais... Bon, elle a pas l'air très compliquée en fait, la tâche. Le défi. Mais ouais, je galère. Pouh, je galère avec cette remorque. Et encore, j'ai pris un véhicule de merde, du coup, avec un véhicule normal, les doigts dans le pif. Hein. Allez, là, c'est peut-être de la terre normale, ça roule? Ouais, ça roule. Oh oui, ça roule. Oh yeah. Alors, je sais plus par où je passais, moi. Eh ben, on va dire par là. Et c'est pas par là. Et j'arrive plus à monter. On n'est pas sur expédition, Coco. C'est pas du tout par là. Et j'ai pas mis de treuil long. Ah, fuck, de fuck. Ça, c'est le genre de truc qui me gonfle. Hein. On te met des cailloux que tu peux pas passer. Alors, peut-être passer par la droite, là, pour changer un peu. Et j'ai une 40. Contourner un petit peu les rochers. Là, il y a éventuellement... Bah, bien sûr, évidemment. Ça roule pas, donc forcément, t'explose tout si tu fais le moindre écart. Bon, j'ai pris qu'un point, c'était généreux. Alors, on va pas... Ouais, il y a des gros cailloux de merde. Bon, ça a l'air d'être vraiment easy, c'est toujours en or. Je crois que c'est 2-20, hein. 4-3-20, pardon. Bon, ça a l'air easy, hein. Hein? Quoi? Attends, quoi? Mais... Hein? Mais pourquoi épave? Mais... Quoi? Comment ça, épave? Comment ça, épave? Mais je suis pas sur épave! Mais je suis pas sur épave! Je viens d'activer celle qui était ici! Quoi? Oh, c'est... Non! Hein? Mais non! Faut activer celui-là alors que la tâche... Oh, je vous déteste. Oh, je vous déteste, mais c'est... Profondément. Profondément tellement c'est con. D'accord, je comprends mieux pourquoi épave était active tout à l'heure. D'accord, je comprends mieux. Ah, je vous déteste, là. Ah non, là, non. Là, non. Là, non. Allez, viens, épave, dégage. Ah non, là, c'est dégueulasse, là. D'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi il y a 3-20. Je comprends mieux pourquoi j'étais un petit peu trop... Un petit peu trop en avance. À mon avis, j'aurais dû en chier plus que ça. Là, c'était gagné. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Ah là, il y a de la belle route. C'est là que j'ai perdu du temps. Il y a de la belle zone de boue. Ouais, sur les côtés, c'est pas beaucoup mieux. J'y ai un petit peu. Alors, par contre, du coup, je sais pas si ça va faire repopper. C'est pour ça que, du coup... Hein, quoi? Mais arrêtez avec vos branches en adamantium! Wolverine est mort! Enfin non, il y a le nouveau Deadpool qui arrive, mais bon, c'est un multivers. Bon, en même temps, il y a un multivers SnowRunner aussi, hein, il y a Expédition. Bref. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce que je peux être attelé à la remorque du coup, ou est-ce que ça l'a fait repopper? Parce que du coup, c'était pas la bonne mission. C'est un délire, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, franchement, vous abusez.
Vous abusez. Il faut pas que j'oublie de prendre une petite photo aussi, donc il va falloir peut-être que je la prenne pendant le chemin. Faudra pas que j'oublie. Techniquement c'est pas bien, ça devrait peut-être me faire du poids. Ou alors peut-être que ça bougera moins à l'intérieur, je sais pas si on peut aller jusque-là en termes de réalisme. Ouais, ça la dégage. Ça la dégage, on est bien d'accord. Ça la dégage. Bien, j'avais déjà lu le texte, donc on est bon. Hein, n'est-ce pas? Alors, mets la journée, s'il te plaît. Merci. Donc je ferai une photo au milieu, parce que sinon la remorque va sûrement disparaître. Donc là, on est parti cette fois. C'est bien la remorque scout. Par contre, du coup, faut que j'aille la chercher et tout. Ça va me perdre du temps, c'est abusé. Ça va, ça roule pas trop mal. Donc ça l'a peut-être reset au niveau de l'essence qu'il y a dedans. Déjà 30 secondes de perdu. Hein. Comme je disais, des fois, charger, aller chercher la remorque. On perd un max de temps. Hein. Oh, va pas te caler dans un feuillage. Va pas te retourner dans un feuillage. Oh là là, sans déconner. Bon, maintenant je sais où passer là-bas au niveau de la tour. Je me suis repéré un petit peu le chemin qui était pas mal. Je sais pas si c'est le mieux. Moi je passais à gauche avant, mais ça avait l'air d'être plus casse-gueule que dans mes souvenirs. Donc je vais peut-être tenter de. Je vais le faire comme ça, hein. Je vais pas me taper la route pour le fun de galérer dans la boue. Hein. L'objectif, ça va être d'arriver à temps. Hop, 1h20. Je comprends mieux qu'il y ait 3 minutes et quelques maintenant. Hein. Là, ça y est, j'ai saisi. Ah oui, s'il faut aller chercher la remorque et tout, c'est tout de suite du temps de perdu. Hein. Ouais, d'accord. On va dire par là, c'était pas mal. Hein. Juste sans exploser le véhicule, ça serait mieux. Voilà, impeccable. Impeccable. On passe là. Doucement. Oh la vache, elle passe 10 fois plus vite que tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Ça, c'est la remorque qui est pleine, ça va être pour ça. 2 minutes. Oh, j'ai oublié de faire la photo. Oh, j'ai oublié de faire la photo. Et alors là, si j'ai pas la photo, là, je suis foutu. Ou alors, faut que je fasse demi-tour et je recommence, ou je sais pas. T'en vois rien. Ouais, c'est suffisant. C'est suffisant, c'est impec. C'est impec, c'est suffisant. Putain, j'ai failli oublier la photo. Je le savais qu'il fallait absolument que j'en fasse une. Hein. Ça va, ça devrait le faire. Ouais, elle devrait être pas mal. Ouais, normalement, ça le fait. Ouais, ça le fait. C'est juste pour un défi, ça va aller. Ça passe. Ouais, ça passe, elle est bien. Elle est même presque sympa. Ouais, ça le fait. Et hop là! Génial, je sais que les gens se sentiront plus en sécurité si un ange gardien les surveille dans les montagnes. Merci de votre aide. Et ben voilà, 2 minutes 4, je crois que c'était 3h20. Hein. Si je me trompe pas, c'était 3h20 normalement. Ravitaillement, c'était 3h20. Easy. Easy, 2 minutes, je sais plus combien, j'avais vu. Impeccable. Impeccable, donc on peut lâcher le véhicule là. Et puis s'arrêter ici et lancer une autre vidéo. Allez, salut.